chercher votre téléphone dans la chambre, s'il te plaît. Laisse d'abord ça là. C'est comme ça que hier tu as versé toujours. Je peux te donner ça. Je peux te donner parce que quand il te donne, tu verses toujours. Tu ne donnes plus. Ramasse. Bonjour, bonjour. Je ne veux pas être longue. Hein. Je ne me sens pas bien. Il fallait que je fasse ce petit direct vite fait. Bonjour tout le monde, bonjour. J'ai très mal à la tête. Bonjour, bonjour, bonjour. Je ne veux pas être longue. Je pense que tout le monde est déjà au courant que notre fils Xavier nous a quittés hier. Mais je tiens déjà à vous rassurer qu'il n'a pas été malade, il n'était pas malade. Donc, il est mort sans douleur, sans douleur comme d'habitude que vous connaissez, non. Il n'avait pas de douleur, pas mal à la tête, rien, il était couché, normal. Donc, il est parti sans douleur. Les douleurs qu'il a eues... il a toujours eu, en tout cas, il a toujours été malade depuis qu'il est né. Lui et People, vous connaissez. Et quand on était au pays, lui-même, il avait dit déjà que je sais qu'après People, c'est moi qui va suivre. Au moins, lui, il a atteint 20 ans. Donc, on savait qu'il allait partir, mais on ne savait pas quand. Et on ne pouvait pas imaginer... que ça allait être comme ça. En fait, vous savez que Xavier a beaucoup souffert, beaucoup. Donc, logiquement, on doit seulement accompagner dans les prières parce qu'il a beaucoup souffert. Il n'arrêtait pas de dire à sa grand-mère ces jours aussi que Mémé, si je pars, c'est parce que je ne vous inquiétez pas, je me suis beaucoup battu. Donc, il a dit qu'il s'est beaucoup battu. Donc, il était fatigué aussi de se battre. Et quand cela ne tienne, il m'attendait en juillet. D'après ce qu'on avait conclu, lui et moi. Il m'attendait en juillet. Parce que, comme nous, on s'appelait toujours partenaire. Lui et moi, on s'appelait toujours partenaire. Vous savez l'amour que j'ai avec mes neveux. Même si je ne parle pas avec mes frères, mes soeurs, mes neveux, mes enfants, je ne récolte pas avec eux. On a un amour qu'on partage ensemble qui est très très fort. Donc vous pouvez sentir un peu comment est-ce que quand ça arrive, ça joue beaucoup sur moi. Et puis hier, je n'ai pas dormi. J'ai mal à la tête. Et un jeune au Cameroun qui a la même maladie, qui est venu à l'enterrement de People. Donc il est venu me croire, il m'a appelé hier dans la journée, on a parlé. Je lui ai promis que j'allais parler de son problème. On a parlé de 17h. Quand je suis allée chercher la petite à l'école, on a parlé. Je lui ai dit que ne t'inquiète pas, je vais parler de ton problème. Je sais ce que c'est que la grippe anocytose. J'ai des enfants, j'ai un enfant qui est mort de ça. Et j'ai un qui a aussi, qui est malade, dont il était à l'enterrement de People.
Donc là, il est aussi vraiment dans un état très critique. Lui, il a déjà dépassé la vingtaine. Donc, il m'a demandé si je pouvais l'aider. Je lui ai dit oui, ne t'inquiète pas. Donc, j'ai fait un post. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce direct. Normalement, je ne voulais pas faire le direct. Donc, il demande de l'aide. Je lui ai dit que je vais parler. Donc, il a le même problème que Xavier avait. Vous vous rappelez un moment, Aurore Angoula et moi, nous avons demandé de l'aide ici pour Xavier. L'opérer. Depuis, Xavier ne s'était pas remis. Xavier avait toujours, de temps en temps, il se levait, de temps en temps, il tombait comme d'habitude. La période que j'étais à l'hôpital, il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais là-bas à l'hôpital? Lève-toi là-bas, quitte là-bas. Tu veux devenir comme moi. C'est très très dur. Donc vous avez vu, j'ai fait un post. Il y a un jeune garçon en ce moment qui est aussi très menacé, qui demandait de l'aide. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez vu pourquoi la dernière fois je me fâchais avec Rosine Mémy là? Parce que je vois, elle fait les soirées caritatives par rapport aux enfants atteints de la drépanocytose, mais je ne vois pas ce qu'elle fait, je ne vois pas ses aides là. Je sais que je crois qu'elle a une association des enfants atteints de la drépanocytose. Il y a un enfant, un jeune garçon en ce moment qui demande de l'aide, qui est très malade. Il demande, il a besoin d'aide financière parce qu'on doit. Il doit subir une opération et ça demande des sous. Il n'a pas d'argent. Il demande de l'aide. Donc, je lui ai promis que je vais faire un poste. Je vais en parler et puis lui et moi, on pourra parler de ça ensemble. Donc, aujourd'hui, c'était juste déjà pour vous annoncer déjà d'abord le deuil de Xavier. Et je veux programmer un direct, même vendredi, parce que ça urge. Et il pourra venir s'exprimer lui-même. Parce que là, il parle encore un peu. Je vais l'appeler et lui-même, il va dire. Et on va mettre un numéro où vous pourriez le joindre pour ceux des âmes de bonne foi qui auront envie de l'aider. Et là, maintenant, nous sommes endeuillés. Tout le monde. Ma mère, j'ai pitié surtout de ma pauvre maman. Elle-même déjà n'est pas en santé. Depuis hier, elle n'arrête pas de pleurer. Surtout qu'elle n'est pas à côté de moi ici, elle est loin. Donc maintenant, à son âge, là, lui annoncer les mauvaises nouvelles. Elle n'arrête pas de pleurer. Elle dit qu'elle ne sait pas si elle va vivre. Ça fait deuil de ses petits-fils qui partent comme ça. Donc, il fallait que je vous annonce, parce que vous tous, vous connaissez tous mes neveux. Quand je pars au Cameroun, vous me voyez avec eux. Vous voyez comment on rigole, on joue. Je lui ai même gardé un jean que je devais lui remettre ça quand il devait partir là en juillet. Lui et moi, on s'appelait seulement partenaire. Ça fait mal. C'est vrai qu'il part se reposer, il a beaucoup souffert, mais ça fait mal qu'un enfant meurt comme ça à 20 ans. Il s'est battu, il aimait trop la vie, Xavier. Xavier aimait trop la vie. Moi et mes neveux et mes nièces, on s'aime beaucoup.
Je peux me fâcher avec mes soeurs ou mes frères, avec mon frère, mais les enfants, je ne rigole pas avec eux. Et les enfants aussi, et moi, on a un lien trop fort. On s'aime beaucoup. Moi et mes neveux et mes nièces, on s'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On partage beaucoup de choses ensemble. Comme Xavier, par exemple. Xavier et moi, on s'appelait seulement partenaire. Toujours en train de faire les blagues, lui et moi. Voilà, maintenant qu'il est parti. Et puis hier, j'arrive pas à dormir. Et puis hier, je n'arrive pas à manger. J'ai mal. J'ai trop mal, je vous jure. Pas à dormir, je sais pas comment je vais faire. Ça fait trop mal. Ma soeur, même alors hier, elle disait qu'elle va seulement se suicider. J'ai dit que non, même si c'est comment il faut que je fasse un petit direct pour vous dire. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous là qui l'avaient aidé aussi pendant qu'il était malade. Beaucoup de personnes l'ont aidé. Aujourd'hui, il est parti. Il fallait que je vienne vous annoncer ça. Je vais vous laisser. Je n'aime pas pleurer comme ça devant les gens.